C'est le JDR 66, l'épisode 66, c'est donc la 66e intro, ce sera vraiment pas la plus ouf, on y va, c'est parti, générique. Quel bail ! À la une, sur Snap, Ademo, qui est la moitié du groupe PNL, a partagé une vidéo d'un dessin animé, une sorte de cartoon, avec le son de Kuta au bout. Alors, est-ce qu'il s'agira d'un clip à venir? Je ne sais pas, ça m'empêche de dormir, je veux dire. Bouge ton boule, mon glé n'a pas le time. Avant, tu l'aimais moins, aujourd'hui, toi, pas de taille. Ils ont également mis sur les plateformes Je t'aime et Cramé, qui étaient les titres bonus des deux versions physiques de Dans la légende, en 2016, on s'en souvient. Tu veux savoir ce qui s'est passé depuis? Réseau, la crime et la boule à Z, c'est fait. Cette semaine, il nous a montré un peu sa morning routine en direct de Dubaï. Alors pour lui, pas de café, c'est directement freestyle. J'ai vraiment cru que la baie vitrée allait en prendre une. 3 du match à Malaga, Kruskov de la favela, la tête le cul qui est là. On le sait maintenant, désormais. Dinos va sortir le 29 novembre prochain, Taciturne, son deuxième album solo. Il a envoyé le premier extrait, XNXX, mais il n'est pas question de gros seins laiteux, etc. Non, pas du tout. Musique. Chacun pense à soi, chacun porte sa croix. Je fais confiance à personne, j'ai vu The Wire trois fois. Un nouveau couvre-chef était ajouté sur le crâne de Eus l'Enfoiré qui, lors du Stade de France de Gims, a pris soin d'imiter un peu tous les invités du truc devant les loges. Laurent Gérard le déteste. Ah, c'est quoi ici? C'est quoi ici? Le rap Ruego, c'est une sorte de grande start-up, un incubateur de talents, et tout le monde finit par se croiser tôt ou tard. C'est le cas pour Koba et Dadju qui étaient en studio ensemble au OA. OOA. La semaine dernière, Niro a sorti. Eh bébé. Alors, un peu de lumière. Niro, la semaine dernière, a sorti Stupéfiant, chapitre 1, je le sais, parce que c'est acquis. Enfin, je l'ai saigné cette semaine, donc je sais de quoi je parle. Il y aura deux autres livraisons, le 11 et le 25 octobre, et puis le 15 novembre, mois d'après, il y aura un album en bonne et due forme. Il a vraiment bien rempli le bon de commande. Le label AWA va fêter son premier anniversaire d'existence, et pour cela, ils ont décidé de nous faire une surprise. Quelle est-elle? DJ Core et DJ Deuske vont reprendre des phases B West Coast shit, et Didier Trix va poser dessus sur un 6-titres qui s'appelle Cartel de Bondy, et dont on pourra découvrir au compte-gouttes les morceaux dans le making-of de Cartel de Bondy. Jul a 2 milliards de vues sur YouTube et cette semaine, il nous a dit que peut-être il se tâtait à sortir un double album en décembre, mais il vient de faire une réédition. Va dormir 2 minutes, fais au moins une sieste réparatrice. Bah, j'ai trop envie de dormir en fait. Nino, 1 million d'albums vendus, le premier rappeur à avoir fait 50 singles d'or. Hey. Ouais, attendez. Hey. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Les vidéos de la semaine. Le A et le S sont dans le secteur, ils font des sommes astronomiques, j'aimerais tellement rire comme lui, tête en arrière. Comme une famille, alors on s'unit jusqu'à la mort et j'aurais beau faire comme si je t'aimais pas, mais tout finira demain matin. Sadek et Feder sont des vrais parigots. J'aime trop ce genre de collab, rap, électro. Un peu à la manière de Vald et Vladimir Cauchemar. Sauf que là, c'est Sadek et Feder. Pur parigo, pur parigo. Pur parigo, pur parigo. Wesh les gars, wesh les go, wesh les gars, wesh les go. On y va, on y go. Gambi vient à la soirée et il amène les chips et en plus une belle ogive sonore. J'suis dans le bloc, la petite est cachée dans le froc. Leto nous sert AEH, une romance sauce d'Austri. J'ai mal mais je cache bien, et même quand je gère le fond je pense à toi. J'ai mal mais je cache bien, mais je cache bien, mais j'ai mal mais je cache bien. Gianni a lancé le deuxième volet des DDM, Dose de moi, et ça s'appelle Cigario, on en attend trois autres, Gram, Monet et Arène. J'suis dans l'œil du cyclone, j'ai vu des amis tu en silicone. Encore une fois j'ai misé ma vie, rappel d'ailleurs, très peu laissé la vie. Rémi va bientôt revenir avec Rémi Daubert son nouvel album, en attendant il envoie un nouveau single, Repeat. T'auras moins d'amis, toi t'auras plus de mailles. On n'avance pas seul, aujourd'hui je vais les traumas. Je reviens plus fort comme le tonnerre, je représente car il fallait. Que Kra travaille et fait face aux robots dans CLS, mais c'est Black Mirror ou quoi? C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. C'est la street, les centimes remplacent pas les sentiments. Je traverse le désert coincé dans mon bâtiment. Kiké ça envoyé quand j'étais petit, l'album Puzzle approche à grands pas. J'ai fait tout ça quand j'étais petit, elle était pas là quand j'étais petit. Je recouvrirai ma famille de pire, jusqu'à ce que tous les gens m'aient oublié. Timal nous envoie un nouveau hit qui fait cavaler. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'ai dû cavaler, cavaler mon ami. Fallait ramasser, ramasser dans la ville. J'ai dû cavaler, cavaler mon ami. Chris Pencil et Lompal nous disent bye bye. Non, pas déjà. Je reste en position, le corps figé, la tête qui dit bye. Bye. Seul avec les étoiles, j'ai enfin ouvert le portail. Bye. On fait là.
Et cette semaine sur le IGTV de Bouscapé, qu'est-ce qu'on pouvait trouver? La vidéo de Sarah qui est là. Sarah, t'es là? Je suis là, toujours là. Fais pas semblant de ne pas être là, s'il te plaît. Tu es allée à la rencontre du champion du monde d'escrime, Enzo Lefort. Exactement. Lors du shooting pour le magazine Antidote. C'est ça. L'occasion de découvrir l'ex, te plaît, la Shox, la Nike. Comme ceci. La mienne a des poils, elle est la tienne? Yes, elle a rien du tout, mais elle est très très belle quand même. Et j'aime beaucoup ce modèle là aussi. Exactement, pareil, et elle est inspirante. Comme la rencontre que je viens de faire avec Enzo Lefort. La vidéo est disponible sur IGTV, l'IGTV 2. Bouscapé. Voilà, on est complémentaires, c'est incroyable. Merci à tous. Merci à toi. Tu vas pousser sur la jambe arrière et lancer ton pied. Alors ça donne ça. Enfin, regarde et après tu feras. Tac. En octobre, c'est le mois du hip-hop sur BET. Alors vous allez me dire, oui, BET, c'est déjà la chaîne de référence de la culture noire américaine, 100% divertissement, bien sûr, je peux l'entendre. Mais là, c'est vraiment un mois spécial. Pourquoi? Le jeudi 10 à 20h45, on aura l'émission de référence, les BET Hip-Hop Awards, qui ont lieu quelques jours avant aux États-Unis, à Atlanta, et qui vont être transmises aussi en France. Il y aura Cardi B, Travis Scott, même Kalash comme artiste français. Et puis le jeudi aussi, à 22h30, il y a quand même la série Tales, le réacteur de se priver. C'est gratuit en plus. Allumez votre décodeur. Street Press est un média indépendant, ils font du terrain, de l'investigation, un vrai taf de journaliste. Finalement, et ils ont besoin, pour ne pas que leur site ferme, d'environ 40 000 euros. Donc il faut envoyer des dons. On mettra le lien en commentaire. Il y a plein de gens qui ont apporté leur soutien. On apporte notre soutien. Mediapart l'a fait. Plein de gens le font. L'indépendance, c'est important. L'ABCDR du son, si vous êtes dans cette shit, vous savez pertinemment de qui on parle. C'est pionnier du webzine. Ils sortent un livre, L'Obsession Rap. Ce sera le 23 octobre. Donc ça retrace au cours de 9 chapitres, 286 pages, un peu l'histoire du rap avec des acteurs importants. Puis aussi des acteurs qui étaient un peu dans l'ombre, hein, qu'on connaît moins. Je vais acheter. Ça coûte 36 euros, il me semble, sauf si on me l'envoie. Semaine sur Skyrock, c'était le Planet Rap de Leto. Il a invité du monde autour de la table à freestyler D.A. Uzi, Sadek, Nino ainsi que Os Copperfield et c'était bon. Elle met ma bite dans sa bouche, ah ouais, comme si elle mangeait du veau, ah ouais, comme si elle goûtait de l'agneau. Ah ouais, Johnny est un salaud, ah ouais, elle est comme Gollum cette guerre, ah ouais, elle aura jamais l'anneau. Ah ouais. Il y aura le Urban Film Festival du 7 au 13 octobre. Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition de courts-métrages. Donc partout dans Paris, on aura des événements, hein, du graphe, de la danse. Il y aura aussi le samedi 12, un showcase de Kery James au Hall et juste après, diffusion en avant-première de son film Banlieusard. Ça va? Elle est où la moulaga? Les albums. Fix Pencil sort son projet Flag, FLAG. L'allemand sort la mixtape Liberta avec un titre qui sera ajouté tous les deux jours. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Diez sort Parfum. Jules sort la réédition de Rien sans rien. Être meilleur, c'est pas vendre plus. Vente. Cobaladé avec la réédition de L'Affranchi a vendu 3841 projets, 127 en physique, 26 en téléchargement et 3688 en streaming. Icas Boy avec Brutal 2 a vendu 1611 copies du projet, 41 en téléchargement et 1570 en streaming. Ami avec Ne le dites pas à ma mère a vendu 837 copies de son projet. Benab avec Dracarys a vendu 1170 copies de son projet, 404 en physique, 173 en téléchargement et 593 en streaming. Point G, mon grand kiff de la semaine, c'était le tweet de Infinite qui annonce le deuxième volet de Ma vie est un film. On sait pas quand, mais en tout cas, c'est une mixtape qu'il a sortie pour le premier opus en 2013. Depuis la sortie des projets, je me suis tout réenfilé cette semaine, vraiment, comme ça, à la chaîne. Et l'intro de Ma vie est un film, 2013, c'était ça. Bébé, si ce que tu veux, c'est Louis Vuitton, évite-moi. Calcule pas comme une fille, tu vois, qui a envie de moi. Moi, j'ai le meilleur. Et top, c'est fini, c'est terminé, allez foutez-moi le nez dehors, s'il vous plaît, n'oubliez pas quand même de mettre un like, de mettre des commentaires et d'écouter le son de fin de divertissement qui est Rari de Gradure et de retour au Cratcher. C'est Paul Large, disponible dans les playlists Bouska Bangers, Bouska Hits, ciao. Je suis dans le bloc sa mère, je suis dans le bloc sa mère, c'est viscère les camé, bah ouais que la drogue ça paye, bah ouais que la drogue ça paye. On voulait lever, on a eu le L, j'ai voulu me les faire, mais j'ai eu la flemme. On a donné de l'amour, on a reçu de la haine, bisous aux haters. Salut. Non, pas de soucis. Oh. 36 euros.